D'après économiste Clifford Serrand, il y a plusieurs éléments d'information nous capables de considérer dans le dernier bulletin IHSIA dans ce qui a avec la façon dont nous avons évolué dans l'économie en tant que grande division, consommation, région géographique, produits locaux et produits qui importés. Il y a un ensemble de grands postes de consommation, de grandes divisions de consommation, en fonction de consommation qui contribuent à l'inflation. Ça, au mois janvier 2024, d'abord, nous avons des produits alimentaires et boissons alcoolisées, côté que l'inflation dans le poste sale il a atteint 28,3% en janvier 2024. Deuxièmement, nous avons une question de l'eau et caille, logement, l'eau, gaz, électricité et autres combustibles, 25,2% d'inflation. Il y a deux régions géographiques côté que l'inflation est pratiquement plus élevée dans l'économie. C'est le reste ouest, c'est-à-dire qui n'a pas de métropolitaine dans la donne. Le reste ouest qui a des communes de Côte-Tigouave, Léogane, côté ça, Akaye, 22,2% d'inflation. Et au gain la région du sud, qu'on est en inflation de 22,7% en janvier 2024. Et au gain la région transversale, et qui gagne des départements du centre de la Tibonite, 20,2% d'inflation. Économiste a expliqué, dans la question évolution inflation, sorti janvier 2023, arrivé janvier 2024, gain en baisse dans la croissance inflation. Côté inflation, sorti 49,3% pour mois janvier 2023, pour arriver 20,9% pour mois janvier 2024 là. Rythme de croissance inflation l'a baissé dans l'économie. Et on a raison qui fait ça, c'est que depuis pratiquement avril 2023, on a regardé sur le marché des changes là. Et taux de change dans le taux de dollar pratiquement resté stable. Et il y a un peu l'effort qui fait tout dans la finance publique là pour que il y ait plus d'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Et en termes de contrôle des dépenses par rapport à recettes qui rentrent, il faut que nous disions que ça permet que le gouvernement dans une situation côté que ne pouvait pas faire déficit vraiment. Et pas faire déficit, il veut dire que la Banque centrale a créé l'argent, il pas mettre l'argent sur le marché là, et dans l'économie. Hein. Tout ça, c'est des éléments également qui permettent que, et je dis, là, on n'a pas assisté à une baisse du rythme de l'inflation. Malgré tout, le changement a été plus ou moins stable depuis quelques mois. Et puis, il y a un contrôle des pensions par rapport à la crise qui a pris au niveau gouvernement. Prix continue à augmenter dans l'économie, surtout sous marché informel. Il y a une variable, je veux dire, qui fait prix continuer à augmenter dans l'économie, malgré au niveau macroéconomique. Et où il y a quand même des avancées positives, c'est question insécurité. Parce que je dis à la, il y a un pile coût commerçant qui a consenti de la commercialisation, de la distribution des produits et services, des biens et services, qui fait qu'il est obligé de répercuter coût ça sur le consommateur final. Et c'est ça qui a passé là, je dis à la, même si on monte à acheter un sac du riz dans Port-au-Prince à un prix qui bat, mais le fait que si le prix est juste plateau central et que le gros ensemble de points de passage, il faut le passer, il faut qu'il paye. Donc, ça veut dire prix produit ça qu'on a pour le prix. J'aime qu'à vendre dans le même prix avec le plateau central parce que le commerçant paye un paquet de copes pour le passer avec le camion du riz. La raison qui fait que le prix n'a pas baissé, c'est parce que les coûts de commercialisation et de distribution et de transport des produits sont extrêmement élevés pour les commerçants et pour les entrepreneurs. Économiste qui forceront encourager autorités concernées au travail pour redémarrer l'économie, pour stabiliser les prix, créer des conditions pour business faites pour plus de produits disponibles sur le marché, résoudre problème insécurité pour la population si qu'il est comme ça doit.